Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo assez spéciale puisque c'est une pop peut-être d'un de mes Disney les plus marquants de ces toutes les années. Voilà, parce que c'est un Disney qui a marqué une grande partie de, voilà, des enfants qui l'ont vu, parce que c'est un Disney qui est très très triste et très voilà, qui frappe en plein cœur. Quand tu vois ce Disney, tu ressors pas comme quand t'es rentré dedans. C'est voilà, c'est une vraie révolution, il y a quelque chose qui se passe, c'est assez impressionnant. Et donc aujourd'hui je vais vous parler, donc je pense que soit vous l'avez deviné, soit parce que si je vous demande quel est le Disney qui, si vous vous posez la question quel est le Disney le plus triste que vous connaissez, je pense que la réponse sera, dites-le moi en commentaire pour savoir si vous avez dit la même chose, mais je pense que ce sera Bambi, sans hésiter, parce que c'est un Disney qui est très 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 impressionnant, très poétique, voilà, j'ai un souvenir, en même temps à côté, c'est un Disney que j'aime pas forcément parce qu'il m'a dérangé quand j'étais enfant, mais aujourd'hui, je me dis, mais en fait, il m'a dérangé, mais c'était intéressant. Enfin, voilà, c'est vraiment un très beau Disney. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter une pop de Bambi, et donc je vais vous présenter Bambi dans cette vidéo. Et on se retrouve donc tout de suite après le générique pour la voir. Alors pour ce qui s'agit de la boîte, il s'agit donc de la pop Disney numéro 94, donc c'est la pop de Bambi. Elle fait partie donc des pop qui sont sorties, comme je l'avais dit hier, avec les pop de Roger Rabbit, Le Roi Lion, tout ça. Robin des Bois, pardon, j'allais dire Indiana Jones, non, Robin des Bois. Voilà, sont toutes ces pop là, et d'ailleurs pour moi Disney complètement culte, c'est-à-dire que là ils avaient fait des vagues, mais c'était un truc de dingue, quoi. C'est vraiment pour moi les meilleures vagues qu'ils aient faites, avec la vague Aladdin par exemple qui arrive maintenant, et peut-être une vague Hercule, on en entend beaucoup parler. J'ai hâte parce que moi il me faut un personnage de cet univers là, mais je vous la présenterai si jamais ils finissent par sortir, parce que sinon ça n'aura pas de sens. Donc Bambi, donc dans le set, alors là le set il est très très dur à faire, elles ne sont quasiment plus dispo nulle part. Bambi n'est plus dispo, sauf la version floquée qui est un peu dispo, sauf que moi je fais pas les pop floquées donc... la Bambi classique est aussi plus trouvable, alors je sais pas combien elle cote, mais je pense qu'elle vaut dans les 25-30€, ce qui est déjà pas mal hein, pour une pop qui coûte 2€ à la base, ça veut dire qu'elle a doublé. Ensuite vous avez Pampan, qui cote, je crois que c'est celui qui cote le plus, parce que je crois qu'il vaut 50€. Pop assez rare, voilà, je l'aime bien, mais moi c'est pour les Bambi, donc ça me pose pas de problème. J'ai de la chance parce que je l'ai chopé à vraiment pas cher, je l'ai chopé à 15€ le Bambi, donc le classique, prix qu'on pourrait trouver dans des Micromania ou autre, donc je suis plutôt content, je me suis pas trop mal démerdé. Franchement, pour ma collection Disney, un jour je pourrais que je fasse une vidéo sur combien ça m'a coûté, parce que je pense que les gens n'en reviendraient pas, parce que j'ai des grosses pièces et ça m'a pas coûté si cher que ça, j'ai réussi à les prendre au bon moment, à toujours être là quand l'offre elle était intéressante. Je pense à mon Jafar, je pense à mon Indiana Jones, etc. Je pense à mon Monsieur Indestructible aussi. Quand l'offre était intéressante, j'ai réussi à les choper. Et c'est voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui ma collection elle est quand même vaste, parce qu'à chaque fois j'ai chopé la bonne pièce au bon moment. Parce qu'aujourd'hui par exemple Bambi, bah, elle cote un petit peu plus et c'est un peu compliqué. Donc Bambi. Et donc après vous avez Fleur, qui est aussi un peu rare, aussi un petit peu moins que Pampan, mais plus rare que Bambi c'est sûr. Parce que Bambi c'est la moins rare. Je pense que c'est celle qui avait peut-être plus voilà, vendu, fabriqué, je sais pas, alors que les deux autres un peu moins. Ce qui est étonnant parce que quand on fabrique un set, ils auraient pu mettre les trois en même quantité, mais là on comprend Funko. Hein, ils ont créé la rareté, et là je pense qu'ils ont créé la rareté sur ce set. Donc voilà, Bambi. Voilà. Moi c'est avec Pampan, je le trouve très cool. Je trouve très cool, je peux comprendre qu'on l'adore. Fleur un petit peu moins, mais alors Pampan, je comprends qu'il est cartonné. Il y avait beaucoup de gens d'ailleurs qui espéraient dans la Disney Treasure trouver Pampan. Parce que bah, ça leur a permis, par exemple, si jamais ils avaient du mal à le trouver, de l'avoir. Sauf que ce n'est pas Pampan. Voilà, donc d'ailleurs dans la dernière Disney Treasure, et vu que... non, je peux peut-être pas vous le dire, parce que la vidéo... Est-ce que la vidéo sort avant qu'elle soit arrivée en France? Je pense pas. Donc non, je vais pas vous le dire. Vous savez quoi, je vais pas vous le dire. Mais en gros, voilà, il y a un item de l'univers de Bambi, on l'a vu dans la bande-annonce de chez Funko. Dans la box, voilà, dessous, et elle est plutôt sympa, mais je la trouve moins cool, enfin je trouve que ça fait cher pour la box, voilà. Voilà, si jamais vous n'avez pas vu la box, vous comprenez pas du tout ce que je viens de vous dire, mais c'est pas grave, allez voir la box si jamais ça vous intéresse, et vous comprendrez ce que je viens de vous dire,
que la boxe était un peu moins intéressante que celle qui était précédente. Il y avait un énorme dragon maléfique énorme qui était très belle pièce, alors que là, elle était un peu. Je pense que ça va douiller en tarif chipito, etc. Juste pour cette pop là. Ouais, je suis pas convaincu. Et donc, je vais vous montrer la pop. La voilà. Donc elle tient très bien parce que voilà, elle est vraiment plate dessous et puis elle est. Bah, elle est simple, mais efficace. On reconnaît Bambi. Premier coup d'œil. Pas besoin d'y rester des heures et de se dire c'est qui ce personnage, je vois pas la main. C'est Bambi. C'est évident que c'est Bambi, j'ai envie de vous dire. Voilà, je vous fais le tour. Mais voilà, elle a pas de défaut de peinture, elle est très très belle, elle a une tête toute mignonne, une bouille, voilà, vraiment très cool. Voilà, elle est efficace. Voilà, Bambi, c'est un Disney qui m'a marqué. Dans le bon sens, dans le mauvais sens, voilà, comme je l'ai dit, hein, c'est un Disney très poétique, en même temps. Il est lourd quoi, c'est quand tu sors de ce Disney, voilà, t'es plus comme. Je veux dire, t'es plus comme avant, mais voilà, ça te calme un peu quoi. Et je l'adore ce Disney. Enfin, voilà, maintenant, voilà, il a pour la postérité de ce Disney est très impressionnante. Il y a beaucoup de Disney qui ont une grosse postérité. Je pense au Roi Lion, qui cartonne à travers les générations, c'est-à-dire que tout le monde connaît l'histoire du Roi Lion, tout le monde connaît l'histoire de, bah, voilà, du père de Simba, qui va se passer avec Scar, etc. C'est des Disney qui se transmettent et qui se transmettront pendant 40 ans. Et ben, je pense que Bambi, c'est un Disney aussi qui va se transmettre pendant 40 ans, parce que c'est un Disney qui a marqué quand même toute une génération, et je pense que notre génération, si on a des gosses un jour, on aura envie de leur montrer Bambi, de leur montrer le Roi Lion, parce que ça nous a marqué quoi, on se dira, il faut que vous l'ayez vu parce que à notre époque c'était un truc de dingue, c'était génial. Dites-moi ça en commentaire si vous pensez la même chose, mais je pense que ça va être un Disney qui va bien se transmettre. D'autres peut-être un peu moins, parce que bah ils sont moins innovants, moins intéressants, etc. Mais celui-là, c'est sûr qu'il va se transmettre sans aucun problème. Donc voilà, je fais un aller petit tour. Et vous voyez, elle est très très simple, hein, vraiment très très simple. Mais voilà, elle cote pas beaucoup sur Pop Price Guide, mais elle est pas facile à trouver. Et moi, je l'ai trouvée assez facilement, donc je suis plutôt content. Et voilà, et je suis très très content de l'avoir dans ma collection de Pop Disney, parce que ça me fait une jolie pièce encore assez rare à rajouter à ma collection Disney. Parce qu'on se rend compte, mais parce que la dernière fois, j'ai fait un peu le calcul, c'est vrai que j'ai pas mal de pop, qui sont assez rares. Alors, elles sont pas très rares, il y a très peu de Pop Disney. Qui sont très 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 chers, à part dans les vraiment anciens sets, mais dans les nouveaux. Mais il y en a pas mal qui ont quand même coté un peu, qui vont dans les 50-60 euros, et c'est déjà pas mal. Donc voilà, je me dis, moi j'ai réussi à me démerder à pas trop cher. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour ne pas rater ces vidéos. Mais comme vous le savez, le calendrier de l'Avent, c'est une vidéo tous les jours à 10h. Donc n'hésitez pas demain à revenir pour la nouvelle vidéo. Je vous réserve du très 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 lourd. Je veux pas la survendre parce que si je la survends, hein, mais demain, vidéo pour le 24 décembre, donc juste avant Noël. Vidéo exceptionnelle parce que j'ai choisi pas une mais deux pop à vous présenter. Ratez pas la vidéo. Pourtant je vous présente une pop par jour, mais là ça vaut le coup de les présenter ensemble. Et donc nous, on se retrouvera donc demain. Je vous laisse essayer, pourquoi pas trouver quelle sera la pop demain dans les commentaires, en sachant que si jamais vous avez suivi l'intégralité de mes unboxings depuis le début, enfin en tout cas de tout ce que je vous ai présenté, vous devez deviner quelle est la pop que je vous ai pas encore présentée. Et ça vous direz, tiens c'est bizarre, il nous a présenté quasiment tout sauf ce personnage. Il arrive demain. Voilà, et donc on se retrouve donc demain pour la nouvelle vidéo. Ciao !